purée. Un bulle bizarre. Un bulle bizarre. Pikachu. Pikachu. Oui. Non. Oui. Ouais non, je suis pas crédible hein, chasseuse de Pokémon. Si, vous aussi, vous en avez marre des chasseurs de Pokémon Go, de ces trucs de malheur, et ben faites comme moi, faites-en des biscuits et mangez-les. Allez, c'est parti pour une recette de sablé Pikachu, gourmande ici mais hyper kawaii. Suivez-moi. Et pour les sablés, il nous faudra de la farine, du beurre mou, du sucre, de l'arôme de vanille et un œuf. Dans un bol, on verse le beurre mou, puis le sucre et on va fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Et on y ajoute ensuite l'œuf, on fouette de nouveau, on ajoute l'arôme de vanille et on termine avec la farine. Et pendant que la pâte repose, on réalise la glace royale avec du sucre glace, un blanc d'œuf, du jus de citron et des colorants alimentaires. Dans un bol, on verse le blanc d'œuf, le sucre glace et le jus de citron. On va venir fouetter le tout au batteur électrique ou à la main. La glace royale doit être brillante et assez épaisse pour pouvoir couvrir le biscuit. On peut toujours corriger la consistance en ajoutant du jus de citron ou du sucre glace. On divise alors la glace royale en 3 bols en prenant bien soin de conserver une petite pointe de blanc et puis on la colore. Une fois la glace colorée, on la place dans des poches munies de douilles à petits ou moyens trous et on retourne à nos biscuits. On récupère notre pâte et on va l'étaler sur une épaisseur d'environ 5 mm et ensuite on y découpe des jolis petits ronds. On laisse alors complètement refroidir nos biscuits et on passe à la déco. Les sablés tout mignons et tout kawaii Pikachu sont terminés. On va enfin pouvoir les dévorer, les savourer. Comme vous avez pu le voir, c'est une recette super simple et ludique à faire avec vos enfants en famille. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi une avalanche de pouces. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous fais un milliard de gros bisous d'amour. Et on se retrouve très très vite. Mouah.